écriture maïeutique. L'homme est-il matérialiste? Est-ce qu'il m'aime pour ce que je suis? Ou mon blé a-t-il un côté magnétique? Suis-je en pleine maïeutique? Le mal est-il une partie de nous que l'on refuse de trouver magnifique? Le diable est-il ce personnage maléfique? Qui devrais-je choisir entre ma femme et ma fille? Est-ce qu'il n'y a que dans leur livre sacré que Dieu existe? Faut-il croire à moi ou à la religion et son éthique? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Pour l'âme, est-ce une porte ou c'est là où chacun vit sa fin du monde? J'attends ma dernière heure, viendra-t-elle de ma montre? Si l'argent fait le bonheur, pour avoir un sourire, faut-il de l'or? Quand je vois les horreurs de l'homme, je me questionne si nous sommes plus humains qu'un monstre. Sur cette terre qui me semble ronde, serais-je le seul à me sentir comme dans une boule de Pokémon? À quoi ça sert les éloges entre un roi et un peuple qui doit servir l'autre? J'entends le coq chanter Estée Lauder. Pour s'éveiller, avons-nous besoin d'attendre l'aube? Pourquoi faut-il qu'on espère? Sommes-nous faits d'argile ou d'un mélange d'ovaires et de sperme? Les libertés ne sont-elles pas aussi des chaînes? La vérité ou le mensonge? Qu'est-ce qui peut nous coûter cher? Trop de questions sombres, sans la moindre lueur. Suis-je un pion ou un joueur pour mes échecs? Les épreuves de la vie prennent de l'ampleur. Serons-nous à la hauteur en faisant la courte échelle? Mon cher, est-ce pour ça qu'à la naissance on pleure? Ou parce que, comparé au placenta, ce monde fait peur? Serais-je un esprit fait de chair dans les prix qu'on nous décerne? Y a-t-il une vraie valeur entre Dieu et ma mère? Dis-moi ton avis, qui devrais-je remercier pour le souffle de vie au milieu de la merde? Y a combien de navires? L'homme a crucifié son maître, est-ce parce qu'il aime souffrir? Si les suicidaires sont lâches, pourquoi vous les plus courageux avez peur de mourir? Quand je vois un clébard se fait bouffer par son meilleur ami, mon cœur à l'homme dois-je lui offrir? Partout c'est la terreur, nom d'un diable. Aurons-nous la paix intérieure si elle devient mondiale? Y a-t-il une force meilleure que celle du mental? Quand je vois des hommes qui meurent, faut-il que je m'en tape? Est-ce qu'il n'y a que sur un ring que ma foi peut déplacer des montagnes? Comment les analphabètes vont lire entre mes lignes quand mon écriture est pleine de mots sages? Serais-je plus virtuose que Mozart quand la vie est morose? Est-elle d'un rose pâle? Ma réflexion serait-elle une fosse de sable? Les réseaux sociaux sont-ils au service du Mossad? Un jour serais-je une grosse star devant le succès? Suis-je comme l'Afrique qui veut gagner les repas? Les soldats de guerre qu'on enterre sont-ils des criminels ou bien des héros qui battent? À quoi me servent mes diplômes depuis des dizaines d'années? Ceux qui ont créé l'école, y sont-ils allés? Ces questions sur lesquelles je m'interroge, est-ce qu'elles me mèneront vers des sentiers damnés? Si l'homme descend du singe, cela concerne-t-il aussi ces macaques de racistes blancs? Et quand parfois je saigne, je me demande si les êtres dans leurs veines sont-ils différents? Mais qu'est-ce qu'on nous cache? Le capitalisme est-il une religion? Pourquoi l'homme adore le cash? La raison est-elle encore dans nos crânes? Pourquoi plutôt que poser des fleurs, certains sur des tombes crash? Contre qui sont-ils en guerre? De conflits on en crève. Veulent-ils faire du ciel un enfer? Car ils vont à l'encontre de Dieu le Père. Ils inversent ses règles et appliquent ce principe en anglais. Franchise à la prod, au mix, Mimboman, Goutsa.